Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Note Sauberie. Nous sommes mercredi, il est 20h43 et nous sommes sur Twitch. Et les abonnés vont être sympas avec vous puisqu'ils vont vous dire bonjour évidemment comme d'habitude. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, voilà. C'est tous les mercredis à partir de 20h, il y a de la papote et après on se met à jouer. Vous êtes invités et c'est gratuit. N'hésitez pas. Alors, nous avions eu une naissance. La deuxième fille, et de toute façon ce sera que des filles hein, dans cette génération bien sûr, de Pomme, 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 Pomme. Voilà, elle s'appelle Pomme, parce que Pomme verte. Parce que c'est la génération verte. Nous avions déjà Opaline, qui a été relookine, et elle est vraiment très pipine. Tyrion, j'ai dit non. Excusez-moi. Faut de l'autorité avec ses enfants. Voilà, en plus elle a les yeux bleu vert avec la tenue verte, et eh ben elle est vénerte, hein, elle est choupie. Et bon ben puis voilà, hein, comment dire, on avait tenté d'avancer dans l'avancée. Ah, Toya a été relookée. Pas beaucoup, mais juste assez pour pouvoir baver. Cucu Shirley, cucu YouTube, cucu le chat, cucu le chien. Et salut Marie, comment vas-tu? Coucou Banner, comment tu vas? Vous avez vu que Banner me dit même pas bonjour à moi. Eh, c'est sympa. Alors, voilà Toya. Toya, ouais, ses cheveux, ils ont poustache. Ses yeux, qu'est-ce qu'il fait Tyrion? Il est en train de vouloir aller sous le... Oh là là, il va faire des bêtises avec le petit, je le sens. Donc Totoya, il a fait poustache avec ses cheveux. Bon, tu viens là, qu'est-ce que tu fous là? Montre-toi là. On dirait David Hasselhoff. Hein, en plus, là, il est bronzé. Ah oui, c'est vrai, il a mis des petites barbichettes. Ça devrait pas être plus barbu. Mais bon, voilà, il a changé de look, nouveau look pour une nouvelle vie. Habille-toi un peu, mon ami. Qu'est-ce que tu fais? Laisse tes gosses tranquilles. Commence quoi? Shirley, ma Twitcheuse préférée. C'est cela, ouais. Et cette nouvelle coupe de cheveux, bah, ça vous change un homme. Voilà le nouveau Toya. Hein? 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 Il fait bonder, hein, quand même. Hein. Moi, je dis, je bonde dur, là, déjà. Ça va bien balayer, toi! Enfin, je dis... je ne suis pas le chat, mais... Mais Banner, tu peux garder tes sous? Je suis vexée, c'est trop tard! Waouh! Exactement! Waouh! Tout le monde est excitationné, là, avec... alors, qu'est-ce qu'ils font, les deux, là? Ils vont retourner, nous, on va en faire un troisième? Est-ce que vous voulez un troisième bébé? Oula, toi, tu vas pas commencer ton histoire, je te le dis. Tu ne vas pas commencer. T'es quoi comme trait, déjà? Je me souviens plus. Oh, t'es indépendante, quel bonheur. Oh, je t'ai dit quoi? Qui veut embrocher un bambin? On sait bien, Tyrion, il a réveillé le petit. C'est génial. Ce qui veut embrocher un bambin, elle est prête. Hein. Est-ce que vous voulez un troisième bébé? Une troisième fille, évidemment. Pas mal le Toya, évidemment. C'est quoi le nom des gamins? Bah je l'ai dit avant que t'arrives du coup, je crois. Je sais plus. Tu vas t'énerver avec trop de bambins. Bah bon. Tu veux prendre le risque d'avoir un garçon? S'en fout, c'est un garçon, limite direct du concours. Oui, tout à fait. Ou alors on le transforme en fille. Parce que nous on est comme ça. Rien à foutre. Je veux que ce soit une fille la prochaine génération. Point. Pour faire... et si on a des triplés, bon, ça m'étonnerait. Oh là là, ça m'étonnerait. Tant qu'il y a des filles, ça me va, moi. Je m'en fous. Juste, je pense que ma tronche, au moment de la reveal des triplés, ça risque d'être priceless. Hein. Non, pas de garçon, Marie. Il n'y aura pas de garçon. Les garçons, ça sent pas bon. Et c'est très con. Et là, il y en a qui vont bouillonner dans le chat. Oh, c'est une blague, évidemment. Mais c'est vrai qu'on avait fait la chambre. Bon. Ok,
Ok, bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Ah, super, hein. Un super pom-pom-pom, hein. Tu t'es chié dessus, pom-pom-pom. T'as un verre au cul, pom-pom-pom. Parce que quand il y a un verre dans la pomme... Certes, mais après on peut se rincer l'œil. Une fille c'est nul, bah ouais, c'est dit par une fille, tu sais. Je sens que Marie, elle va changer, elle va devenir marin. Qu'est-ce que t'as, toi, à la fin? Tu peux pas te servir dans la poubelle? Ah non, elle est fermée, la poubelle, c'est dommage. Quel dommage! Tiens, petite enfant, viens manger. Viens, c'est gratuit, regarde là. Ah, viens bouffer. Papa, oh là là, mais c'est pas possible. Les abonnés ont dit, on veut un troisième enfant. Donc il y aura un troisième. Qui vous fait dire que je suis une femme? Je ne vous permets pas d'assumer mon genre, Kappa. J'ai quand même vu en vrai, mais je suis pas allée voir plus loin que ça, j'avoue. Je me suis arrêtée qu'à l'enveloppe vestimentaire, mademoiselle. Kazune, Kazuna, Dana, Suna. Oh là là, qui chante bien. C'est la mûre. C'est la mûre, tu jures. Et quelle belle enveloppe t'as vue. Mais il y a déjà eu 5 mecs en héritier sur le Matsubiri. Oui, ben... Je m'en fous, moi, de ta vie. Tu vas niquer et puis basta. Tiens, d'ailleurs, au lieu de monter, vous allez faire ça dans la douche. Ça ira plus vite. Voilà. C'est dispo, c'est tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait encore voler les assiettes? Ah bah, elle va bien. Bah écoute, tu peux pouvoir jouer. Vas-y, va empiler. Il se fait quelle heure, là? 21h? Ah oui. Je jure que si Pomme, elle se met à hurler quand ils vont niquer, je vais pas être contente. Trop tard, Martial. Martial, t'étais pas là. Regarde. Ah, c'est même pas dans la douche que j'ai demandé de faire ça. Ah, Banner, comment t'es vulgaire. Je vais pas lire ton message à voix haute. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Opaline qui a fait ça? Et on n'avait pas remarqué? Oui, j'ai cliqué sur cette douche-là. J'ai cliqué sur la petite, pas sur la grosse. Ça se voit qu'ils aiment bien les grosses. Oh là là, c'était facile. Ah oui, c'est vrai que... Roger n'est plus. Alors là, pour de bon, hein. Roger n'est plus là pour de bon, de chez du bon. Hein. En même temps, on est obligé de faire trois troisièmes enfants, on a trois chambres. Bon, il y en a une quatrième là, mais... Ça compte pas. Ce sera le débarras, ce sera pour mettre du stock de trucs. Ça se voit que Marie, elle suit bien. Tu joues avec le feu avec ce futur bébé. Non, mais de toute façon, si c'est un garçon, c'est... Y'a pas. Je l'ai pas tué. Jamais je l'ai tué. Il est mort tout seul comme un con. Hein? Hein? J'ai même triché les enfants pour le sauver. C'était trop tard. Monsieur a fait la grève de la faim, alors bon, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? J'y peux rien, moi. Starfula, c'est ce qu'elle a dit? What's so fresh? Allez, il va se lever. Non? Ok. Bon, tu sais quoi, tu vas même pas aller faire ça, tu vas aller dormir direct. Il se lève pas?
Incroyable. D'habitude, ils sont toujours en train de se lever au bout de 2 minutes. Oui, Anne, mais c'est trop tard. Je ne peux pas revenir une semaine en arrière. Je l'ai pas ignoré, je l'ai pas vu. C'est différent. Vous êtes méchant avec moi. Mais vous êtes méchant. Ah, ta tronche toi aussi. J'ai pas envie de m'énerver et d'entendre des gosses. J'en ai déjà au-dessus qui tapent dans mon plafond depuis tout à l'heure, ça ira. On va regarder ce plat de toast et Roger, petit ange parti trop tôt, on t'aimait si fort. Tu étais si beau, Shirley n'est qu'une vilaine banderole. Oui. Oui, je suis moche. Et je bande rôle. Tout à fait. C'est reposant une assiette de toast avec œuf. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'elle continue à chialer en plus cette saleté. Attends, je retourne là. Voilà, c'est bien, c'est reposant. Tyrion? Bah alors chaton, tu fais quoi là? Tu veux piquer la place de Jamie? Ah mais laisse-le tranquille parce que sinon il va venir m'emmerder après. Ça suffit. Faut que s'en foutre moi. Moi et Jacqueline. Elle a qu'une seule flèche pour l'instant. C'est normal, elle a pas son scooter, donc elle peut pas avoir de flèche. Moi j'ai fait deux fois. Hein. Ça n'a pas pris. Tabarnak, s'il est beau, hein. On fait des... Quand même, hein. Nos héritiers étaient quand même pas dégueulasses. On va pas se le cacher. Alors, on est censé travailler aujourd'hui, très bien. Tu retourneras te coucher. Oh là, oh, aspirateur a passé. Tu retourneras te coucher, et puis, ben, elle, voilà. Elle est censée avoir une promotion. Sauf qu'on s'en fout, on jouera pas avec elle. Ah, ça me rappelle des choses, ça, en disant ça. Tiens, tu vas... Non. Tu vas faire un test de grossesse et tu vas prendre une douche. À votre avis, c'est bon ou pas? Il nous reste quoi à faire avec Toyota? Ah oui, Toyota, oui, effectivement. Eh ben, carrière niveau 10. Et nous sommes à 5. Ah, tiens, tu vas passer l'aspirateur. Mais vous entendez pas, il y a des coups de taré dans mon plafond. Mais tout est normal. Il est 20h56, mon soldat. Bonne nuit, petit enfant. Bonne nuit, enfant de 8 ans. Je passe un coup de vent car je suis en PLS dans mon lit. Du coup, on se fera bonne nuit. D'accord, très bien, Guillaume, prends soin de toi. Des bisous. J'ai disséminé tes familles dans mon jeu, j'aurai de beaux enfants. Bah j'espère, hein, Anne, tu m'en diras des nouvelles. Hein. J'espère pour eux. C'est bon, c'est aspiré. T'es sérieuse? Allez, va pisser. Je fais ta vie en même temps, je m'en fous en fait de ta life. Ah, elle est contente, elle a passé aspirateur. Zèle perfectionniste. En raison, fait des ménages, je passe aspirateur sur un sol déjà propre. Eh ben. En ce temps-là, notre petit Totoya faisait un gros dodo. Tu vas elle aussi faire un caca du matin. Voilà, c'est le caca du matin qui pue. Comment va Merguez? Il va bien. Tant que Merguez va bien, ça va. Elle a pas pleuré, la gosse? Et elle, elle fait quoi? Oh, je veux bien que tu...
Tu passes du temps avec ta petite, tiens. Drôle, fais des grimaces. Salut Chano, comment vas-tu? Quand Assassin's Creed, elle est déjà mariée avec Demo, mais elle a pas traîné. Mais normalement, je suis mariée avec Marcel, attention. Hein. Ça marche pas, ça. Le petit jet. Il manque que le fait qu'elle ait le petit jet de gerbe qui sorte. Manon. Non, on n'y va pas, Manon. Tu peux y aller, mais nous, on n'y va pas. On te laisse te démerder. Il travaille dans 50 minutes. Est-ce que tu peux jouer avec ta fifille? Jouer, voilà. Moi, j'aime bien. Nanana! Et salut River Jazz, comment vas-tu? Rien que de voir sa gosse, elle a la gerbe, mais indigne. C'est pire que moi. J'avais pas un seul avec un certain. Le baiser! C'est un beau mec, ça va, il est roux en plus. Le baiser. Pardon. Je rigole toute seule avec Audrey, putain. Le baiser. J'ai honte? Non? Quoi, va honte? Chat. Ah, il s'est. Ah bah ouais, ah bah voilà. Bah bravo, tu vas mourir maintenant. J'adore rire. J'adore rire, moi aussi j'adore rire. Qu'est-ce qu'on se marre. Faites des gosses qui disaient non, non, il faut pas les faire. Ça sert à rien. Ça demande de temps, de l'argent et de l'amour. Moi j'ai pas tout ça. Alors t'as Jamie qui dort sur le pouf, Tyrion est parti, je sais pas où il est parti. Alors regardez comme il est beau. Aïe 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 aïe. Oh qu'il est beau. Qu'il est beau le lavabo. Eh. Eh. Il va nous en faire des belles filles, moi je vous dis. Hein. Qu'est-ce que tu racontes toi comme connerie? Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Faire un rapport de police avec un civil. Il n'y a pas de civil. Prendre des empreintes digitales à cesse de parcourir la base de données de police. La mais police. Oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Eli Malou. E-D-D-Y-M-A-L-O-U. Et ça fait vieillir prématurément, plus jamais tu auras la dernière part. Et oui, les gosses. Je sais pas. Ben, moi c'est raté, je sais pas ce que c'est dans les. Je me contente d'avoir des chats, c'est pas mal. Salut Tandori, comment vas-tu? Beau gosse Otoya, t'as vu, hein? Eh. Ça fait frétiller les slips et les culottes, hein? Oh ben, madame! Madame, elle s'est fait engrosser dans la cellule. Qui est le père? C'est lui? Il a pas l'air content. Ou c'est lui derrière là? C'est lui. Je pense que c'est lui parce qu'il se cache. Bonjour les coups dans le plafond, comment ça va? Attends, prendre des photos d'identité. Avec elle, du coup. Il s'est fait engrosser. Une petite partouze. Peut-être que elle va avoir un bébouze aussi, hein? Ben, y a moyen. Ils se sont fait. Oh, ils ont fait un plan à 4. Oh, c'est sale. Pourquoi ils ont pas mis de caméra? T'as c'est vite. Hein, allez patrouiller. Parcourir la base de données de la police. Dégage-toi. Fous le camp. Je veux pas te voir. Voilà. Je veux. Tu te. Voilà.
Toi, tu arrêtes de vouloir faire je sais pas quoi avec le robinet. Épidémie d'enfants enceintes là dans notre sauberie. Elle aussi, elle a participé à la partouze. Ou alors parce qu'elle était pas loin. Elle circule un coup de jet comme ça et puis. Hop là. C'est dégueulasse. Oui. J'avoue. Comme on dit, si j'avais Toya à la maison, il dormirait pas dans la baignoire. C'est sûr. Bientôt, bientôt, il sera dans la galerie. Quand il aura fini de pondre des gosses. Alors, faire un rapport. Alors, enfin, un rapport, attention, pas sale le rapport, hein. Ça, c'est pas celui auquel vous pensez, les enfants. Hein. Non, non, allez patrouiller, elle est sur la scène de crime. Est-ce que, du coup, tu as une scène de crime, de toute façon Comment on fait pour aller patrouiller? Ah, c'est pas par le téléphone. Oh, tu vas payer les factures, tiens. 11 000 balles! On avait. On est mercredi, on n'a pas payé les factures. Balles, vous imaginez, vous? Tous les mois, vous payez 11 000 balles. J'espère que vous vivez dans un putain de château, hein, parce que la vache. T'es bien placé. Oui, t'es bien placé. Mais sur le panneau, il y a pas. Il faut commencer une nouvelle enquête. Agent 21 QQ les copains, agent 21 QQ Hurley et agent 21 QQ YouTube, comment ça va? Agent 21 Boule Chirin. Coucou Niri, comment vas-tu? J'espère que vous avez entendu pendant ce temps-là un énorme coup dans mon plafond. Écoutez. Ah, on a des pieds, on a un plancher, autant taper dessus, hein. Bonne nuit, Lydie, des bisous. Repose-toi bien et bon courage pour ton boulot. La prison, c'est le bordel. Ah bah, du multi-emboîtage. Oh, vous êtes sale. Ah, oh, j'aime ça. Alors, on va patrouiller ou on va sur la scène de crime? Sachant que la scène de crime, il y aura sûrement tout buggé. Donc, je ne sais pas. on va déduire un nouvel indice, tiens, comme ça on va peut-être avancer. Puisqu'on est intelligent, on va en déduire tout seul des indices. Genre, le suspect avait une tête. Parce qu'en fait, si à la base t'as pas de tête, tu peux ne pas avoir de bras ou de pieds, par exemple, mais si t'as pas de tête, logiquement tu vis pas. Ah, il a pas réussi. Ah bah voilà. C'est dommage. Lancer un avis de recherche. Mais oui, mais t'as pas d'indice, Jean-Claude? Qu'est-ce que tu veux faire un... Ah si, un ado, un haut à manches courtes et un rouquin. Ah, un petit roux. Le suspect est un sim, ça c'est ça. Oh bah, on est téléported. C'est le colonel Moutard dans la cuisine avec le chandelier. Pas le bon jeu. Ah non. Bah, la fois dernière, c'était un collègue, hein, qu'on a dû faire démissionner pour pouvoir l'arrêter. Oh! Oh! C'est là où il s'est marié, en plus, Totoya. C'est la plage où ils se sont mariés. Un susprout correspondant à la description de l'avis de recherche a été vu dans cette zone. Interrogez les gens aux alentours pour voir si quelqu'un peut vous mener vers le susprout. Utilisez le carnet pour consulter à nouveau la description du sujet avant de procéder à une arrestation. Et si vous arrêtez la mauvaise personne, cela ne sera pas pour votre dossier. Bon. Mais non, mais les Sims, compliquez-nous un peu la tâche, bon sang. Je comprends pas. Le meurtrier serait en fait un tueur. Non! C'est quoi le bug de la carrière? C'est quand tu veux pas aller sur une scène de crime, en fait, t'arrives sur un endroit où il y a strictement rien. T'as une maison, mais vide, où t'as pas d'indice à choper, en fait. Donc c'est... Bah, tu peux rien faire. Tu peux pas finir ta journée. Enfin, si, tu peux la finir, mais... C'est pas cool, quoi. Regardez-moi ça, alors. C'est la plage des âmes sœurs, et c'est dispo dans la galerie. Parce que j'avais fait un speed build, je l'avais utilisé la première fois dans le Decade Challenge, voilà. Et c'est un parc à Soulani, comme vous pouvez le voir, où vos Sims peuvent se marier.
face à la mer et face à ton père. Putain, il y a eu d'autres, il y avait d'autres gens qui s'étaient popés là. C'était peut-être que je me suis trompette. Peut-être que je me suis trompette. Bon. Nous retournons au commissariat. Alors, on va interrogationner le susprout. Masaru Hasegawa. J'espère que c'est lui, hein. Bah, il est roux, il est ado, il avait un t-shirt à manches courtes. J'espère que c'est lui. Sinon, ça craint. Tout déroule. Mais il n'y avait pas de roux, il y avait que lui. Il y avait genre un seul sim sur tout le truc. Indice disponible. Oh là là, magnifique le jeu de mots, les Sims. Ah, vous me... Eh. Je suis fumée de la tête. Quelle éducation. Steve Garza. Pourquoi il pleure? Lui, il pleure et Toya, il est comme ça. Iiii, moi, je suis une belle journée, moi. Ouais. Je sens qu'il va me faire des têtes à mourir de rire. Hein, on aimerait bien être en face de lui. Regardez-moi ses yeux, là. Ses yeux d'un bleu avec ce bronzage. On le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas. Non, c'est pas comme ça la vie, tu sais. Nous allons. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est là. Montrer des photos du crime. Preuve. Montrer des empreintes digitales. Masaru semble amical pour l'instant. Ah, ça y est, il commence à stresser un petit peu. J'aime trop comment ils ont fait. J'aime trop ça. Montrer la déclaration d'un témoin. Ah, ça monte. Vadish. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est gentil ou on est méchant? On va faire gentiment, on va être sympa. Pour l'instant, on va... Attendez, faut que vous voyez les propositions, sinon ça va pas être marrant. Proposer une barre chocolatée, promettre un repas savoureux. Raconter une histoire personnelle. Se renseigner sur le crime. Discuter de la victime. Faire de fausses promesses, faire semblant de consulter son téléphone. Parler... Ah, faire semblant de consulter son téléphone. Ça monte, hein? La jauge, elle monte quand même, hein? Salut, Soon! Comment vas-tu? Comment ça, pub cucu? Bah, c'est bien. Eh ben, c'est tant mieux. Tu as participé à mon immense richesse. Merci à toi. Ouais, vas-y, pleure, sale gosse. Ah, la vache. Il n'était pas là quand on a fait l'interaction. On est d'accord, Mam Yoda. Je vais me coucher. Bonjour, bonne nuit. Bonne nuit, Samantha! Repose-toi bien. Bon pour un McDo. Tu balances. C'est ça. Donc on va faire le gentil. J'ai envie de faire le méchant parce que c'est... les interactions, elles sont trop fortes en fait. Jouer le policier en colère. Oh tabarnak. Oh stit flic là. Vas-y t'énerve-toi là ça mec. C'est tabarnak. Oh. On a vu à travers sa tronche. Allez, encore un tout petit peu et on a gagné. On va faire méchant policier. On l'a déjà fait fixer froidement.
Menacé avec des araignées. Attendez, il y a plus de choix, c'est un mot plus drôle. Raconter une histoire de prison. Poser des énigmes stressantes. Menacé de torturer en chatouillant. Oh oui, oh, chatouille, la chatouille. Chatouille-moi la benouille. Salut, your short hat. Mar- Renault, Barzong, Flame, Bifra, Quas. J'aime trop. La personne suspectée semble coupable, il est temps de la mettre derrière les barrels. Oh oui! Bon, je pensais qu'il allait vraiment le chatouiller. Allez, c'est un juge vendu. Tu iras en tôle pour le reste de ta vie, petit con. Il y a deux secondes, il était tout calme. Mais oui, mais c'est ça qui est drôle. Mais franchement, les interactions... Et chez les flics, elles sont trop cool. Affaire classée, joli travail, cela fait un criminel de moins dans les rues. Malheureusement, le crime ne dort jamais et nous avons une autre affaire pour vous. Obtenez l'affaire à partir d'un ordinateur et repartez sur le terrain. Oh oui, oh oui, oh oui, 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 oui. Il y a toujours autant de monde qui squatte. Alors, faire un rapport, il y a toujours pas de civil, parcourir la base de données et parler au chef. Chef, il est là, chef. Le chef est là, parlez au chef, vas-y, parlez au chef. Il va être sympa peut-être le chef aujourd'hui. La semaine dernière, il n'était pas là, il avait pris des congés. Hey, wasabes. Hey, wasabes. Ok, j'en ai marre que vous bougez dans tous les sens en fait. Ah bah oui, c'est bien, t'as raison, installe-toi à sa table. Rainbow! Vous venez de Sunset Valley, non? Bon, je ne sais pas comment les choses fonctionnent là-bas, mais ici, nous respectons un concept qui s'appelle la hiérarchie. En plus, tu t'es assis à l'ordinateur, c'est parfait. Et en plus, après, tu pourras te faire assigner une affaire. Se faire assigner une affaire. Les Beats Bug pour non, en vrai, elle est cool. Bah oui, mais les carrières avec au travail, elles sont sympas. Hein. Amour des chiens. On s'en bat les steaks. On s'en bat le cul. Tatatitatu. Ah. Allez. Bon bah écoute, tu vas commencer le tableau d'investigation. S'il faut être patrouillé, alors ce coup-ci on va les patrouiller. On va les patrouiller. Allez, c'est parti. Salut Lali Gaga, comment vas-tu? T'as envoyé des bits, Martial? Je m'emmerde à venir ici quand y a rien qui fonctionne. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoute, Jean-Claude. On va passer notre temps. Ah bah. C'est bientôt l'anniversaire de Pom-Pom. Pomme d'api. Oh, Sakura est morte. Test 1, 2, 1, 2. Attendez, j'ai les cassos qui descendent. Salut tout le monde. Bah non, c'est... Coucou Martial. Ouais, Chantal. Méruline? Bah alors? Bah tu me choques là? J'attends qu'ils se cassent hein, les cassos. Hein. Ce qui est bien c'est qu'ils font tellement de bruit qu'on sait où ils en sont.
Toi aussi, tu bois du thé rosé. Et pas du kérosène. Voilà, nous avons ici des morts. Des mortadelles. J'aimerais, en fait... La journée de travail se termine dans une heure. Bah, de toute façon, vu le peu qu'il a fait. Raphaël l'écolo. Anna l'écolo. Voilà, bon, de toute façon... Je veux bien qu'il patrouille, moi, mais il pourra pas faire... Détective senior. Ah ouais, carrément. Quand t'es... Tu peux toujours pas avoir une... Une promotion, ça pue du gland, ça. Bah, viens ici, hein. Qu'est-ce qu'il... Ah oui, bah, sa tante est morte, c'est vrai. C'est un peu con, mais bon. C'est comme ça. Ça, il fallait bien que ça arrive, tu sais, hein. Ton père est décédé, ben, bah, il fallait bien qu'elle suive aussi, au bout d'un moment. Et mettre... Ah, discuter avec des civils et mettre un procès verbal. D'accord, bah, tu vas discuter avec elle. Présentation. Oh, je suis commissaire de police. Bienvenue. Et donnez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Mais comment ça se fait qu'il se barre comme ça tous les soirs? Qui? Parlons de Rosé. Tu as une date pour la phase moelle. Ah bah ça, il faut que je vois si c'est... Si mes mates sont partants pour ça. Voilà, ça, je vais pas les forcer. Discuter avec plus de civils. Tu te calmes, meuf, ou je t'enferme. Là, c'est quoi cette tête? Ah, on dirait qu'elle a été faite avec... Ah, ça s'appelle Chantal. On dirait qu'elle a été faite avec des Gollum. Ah, les cassos. Non, mais est-ce que la meuf, elle habite pas là? C'est sa mère qui habite là. Oh, yes! Et elle vient tous les jours, avec ses gosses. C'est la fin de la journée de travail. Nous avons été promus niveau 6 de la carrière. Toya était promu sergent, c'est bien l'affaire. Et il gagnera désormais 14 simsous de plus par heure. Soit 92 simsous de tout l'heure. Et ça fait rire les oiseaux. Rire les oiseaux. Eh ben c'est bien ça, Jean-Claude. Non, mais vous étiez là, hein, les deux, hein, Marie et Martial. Hein, vous étiez là, vous en souvenez même plus. Ça, c'est bon, ça! C'est bon, ça! Alors, on va revenir chez les gosses qui chialent. Quel bonheur. J'avais oublié ce détail, qu'on avait des gosses. Bah, viens bouffer aussi, Jeannette! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fout rien de sa vie. Dans un bon moment, c'est normal. C'est normal! C'est normal! Mais oui, Kitty, mais c'est comme ça tous les soirs. Et merci Stéphanie pour ton follow et bienvenue à toi. Oui, bah tu vas manger. Oh, une petite pomme de terre en robe des champs. Oh chérie, j'ai été promue. Avant, on pouvait parler de la promotion. Je sais pas si c'est encore, ça marche encore. Trop mignon. C'est trop mignon, j'adore. Ah oui, c'est vrai qu'il sait pas qu'elle est enceinte. Et merci, Emilie ou Philippe, pour ton follow également. Et bienvenue à toi. Wisebot, il est en congé ou comment ça se passe là? Il me met pas sur le... Ah, merci beaucoup Olat pour ton follow et bienvenue à toi. Est-ce que c'est une attaque raid ou comment ça se passe? Ou c'est des faux? Ah bah voilà, Wisebot est réveillé. Merci à toi Wisebot. Bienvenue à toi sur le chat Wisebot. Non mais Kitty, le couvre-feu, le confinement, ça n'existe pas pour elle. Elle, c'est la reine du monde. Le masque, je l'ai vu deux fois avec. Et j'ai bien rigolé, ce que je dis. Genre, elle met le masque, elle. Genre. Elle, c'est la reine du monde, elle fait ce qu'elle veut. Hein. C'est...
Bah oui, Marshall, fais-moi passer pour une grosse alcoolique, t'as raison. Bah je suis grosse, mais je suis pas alcoolique. Et il va pas bien, Wisebot, t'as vu, il te répond même plus. Elle le portait bien, au moins, dans les deux fois, ouais. Oui, a priori, oui. Quand même. Que même, comme même. Pardon. Je divague. Je divague et je diverge. Et t'as vu, on a dit que... Et salut ma petite Melba. Bien, viens Melba. Oh super, elle a gommé la chienne. Bon bah tu es la mère, hein, donc en plus c'est du caca, donc tu vas nettoyer ça. Et ça fait rire les voisins. Wow, wow, wow. C'est un super ce genre de personne. Ah mais si tu savais tout ce qu'elle faisait. Qu'elle elle fait son ménage et elle me jarte. C'est véridique, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Elle fait le ménage, donc elle passe le balai qui cogne dans toutes les plaintes, donc j'entends. Hein, quand la différence entre le balai et l'aspirateur, je sais exactement. Hein, vu que j'entends tout. Et donc elle récolte sa petite merde dans son ramasse poussière et son balai, et puis elle les jette par la fenêtre. À quel point de quel degré de respect et d'éducation on est là, je ne sais pas. Bien sûr, ça tombe chez moi, sur Micha, tout ça. Si, c'est bientôt. En fait, on a une pré-réunion, c'est la semaine pro, en distanciel, donc je serai là. Je serai là chez moi, mais voilà. Ah non, mais moi j'en parle pas, ça sert à rien. Et salut Marina, comment vas-tu? Bon, mes voisins sont déjà au courant, mais ils en ont rien à foutre en fait. Parce que voilà, ah bah on lui a demandé et elle fait rien, donc voilà, donc en fait. Bah, je suis toute seule à supporter, donc bon, ça n'a pas de poids. Tout simplement. Ah putain, t'es sérieuse, Pomme? Pomme d'api? Oh, mamie, elle enfourne la dinde. À bout d'un moment, c'est plus qui est la dinde et qui est la mamie. Heureusement que la compétence éducation est facile, j'ai oublié de le faire dans ma génération grise. Ah ouais. Ah, tu vas avoir un nouveau voisin, Martial, quelle chance. En espérant que ce soit pas pire que ce que t'as. Ça va, ma petite Melba? Ah ah, bah oui, t'aurais pu être héritière, hein, ça aurait pu être bien. Hein. Oh, ça me fait encore le bug du tab. Mais, what? Ah, c'est bon. Quel dommage, hein. Ouais. Ouais, c'est comme ça la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Et sinon tu peux parler à ta sœur ou pas? C'est trop fort, c'est trop difficile. C'est trop fort. Alors ça c'est une nouvelle tenue aussi pour Totoya. Hein. Bah écoutez, il est père de famille, il est remarié. Il est détective senior, comment dire? C'est pas ta page nocturne. Ton page nocturne ça va dans 22h. Et ta page diurne, il faut qu'il puisse constater, mais s'ils arrivent après, je vois pas l'intérêt, quoi. Bon, par contre, ouais, tu peux laver la petite, en vrai, parce qu'elle pue. Enfin, elle peut puer beaucoup. Donner un bain aux palines. Et après, t'iras la coucher, parce que t'es une femelle, donc tu t'occupes de tes gosses. Alors que Totoya... Oui, plein de forme le mec, hein. Genre, tout va bien, qu'est-ce que tu fais? Oh, mais t'étais là en fait, je t'avais pas vu, comment vas-tu? Non, mais en fait, voilà, la tête dans le guidon, tu vois, moi je travaille à fond, j'ai une promotion, tu vois, et j'avais pas vu que t'étais là. Je t'ai pris pour ma femme, heureusement que j'ai pas fait comme Laurent. Voilà.
Des fois, il faut plus rien faire, mes parents ont voulu aider une voisine avec un bébé. C'est mon père. Hein? Fomel cuisine. Salut Laina, comment vas-tu? C'est ce que je dis à mon autre voisine. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je porte plainte? Ça sera encore pire que mieux, et c'est moi qui vais bouffer, donc... Même s'il y a une plainte de déposer, ça va se retourner contre moi. Avec ce genre de personnes... Qu'est-ce que je vais faire? Par déménager? Lol. Pour aller dans mon châtal, donner de l'argent pour que j'aille dans mon châtal. Non, je plaisante. Marine, tu bouges pas d'un iota. Je te vois, toi. Ça va bien, Laina? Merci. Je la fatigue, mais ça va. Mais... Non, tu vas pas piquer une crise. Mais depuis tout à l'heure, vous êtes comme ça? Mais c'est une blague. Merci Marine. Mais arrête! Mais tu verras plus d'argent un jour! Arrête ça! Mais t'es folle! Mais tu sais que t'es pas obligée de faire des sables tous les lives, hein, c'est pas possible là. Tu vas avoir un trou dans ton budget, tu vas m'en vouloir à mort. C'est quand même relou quand t'as les voisins chiants. Bah ouais, bah écoute. Voilà, hein, que hein. On s'est bugué. Ouais, baba aussi, tu vas voir, je vais te le foutre dans le cul, moi, ton baba, tu vas voir. Allez! Tu obéis, Ouais, bah, tu lui vomis dessus si tu veux, mais tu obéis. Qu'est-ce que tu fous, toi? Ouais. Je vais les surveiller, c'est ça le gosse. Merci beaucoup, Marine! Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce sub offert. Gros bisous à toi. Si est ici à Nana version sublou, elle veut atteindre les 100. Ouais, je pense que c'est ça. Smiley boule, effectivement. Bon, non, arrête. Sans... Oh non, t'imagines, toi? Mais déjà 42, mais elle est folle. Tu m'as mis la chanson des oiseaux dans la tête. Et ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Je connais pas les paroles, mais c'est pas grave, on connaît quand même l'air de l'air. Oh, on va pouvoir chanter faux. J'ai envie d'en faire une mamie juste adorable qui adore mes chiens et je suis du rez-de-chaussée qui met la musique à fond, mais bon. C'est ça quand il est ivre. Super. Ça donne pas envie quand même, hein. Je suis sur la chambre, moi je ferai des crasses, table en plafond, moi aussi. Elle jette ses ordures, je la ramène devant sa porte avec pourri dent pour dent. Après je comprends. Ah non, mais alors que dès qu'il y a une merde qui tombe dans ma jardinière, je les mets dans sa boîte aux lettres. Des espèces de fioles, comment ça s'appelle là, les petits trucs qu'il faut mettre dans les yeux là, du collier, des petits trucs de collier, des cartes de jeu, il y a eu des mouchoirs à une époque, je savais pas comment ils arrivaient à atterrir dans ma jardinière. Alors, je demande à sa femme de le faire et c'est lui qui le fait. C'est logique. Impossible de t'en vouloir, c'est moi qui décide, pas toi. Oh, on sait jamais, tu sais. Moi, ça m'a mis tonton le gazon dans la tête. Tant, le gazon. Et fais attention, pas écraser les coccinelles. Non, mais c'est pas moi, c'est Marie. Alors, vous avez pas le droit de dire quoi que ce soit. Est-ce que je vois un rapport entre vous et moi? C'est bien clair! Oh, qu'est-ce qu'il a? Il veut de l'attention. Vas-y, viens. Viens t'occuper de merguez. En même temps, Toya, il s'en occupait des hamsters, il était petit. Hein. Donc, vous imaginez qu'on les a avant même qu'ils naissent, Toya. Donc, Roger, bah, il était sacrément vieux déjà. Dégueu, cette dame. Qui c'est à moi? Ouais, je sais. Tu vois, c'est mieux les garçons.
Hein? Hein? Parce que l'autre a été buggé, c'est tout. Elle est fatiguée. C'est une pièce rapportée, c'est normal. Voyons qu'elle fasse pas ce que je lui demande. Mais il y a des sacs poubelles dans sa boîte aux lettres, si seulement. Oh non, j'ai pas gâché des sacs poubelles neufs. Sachant que l'autre jour, il y a un sac plastique qui pendait à sa fenêtre. Et il y avait je sais pas quoi dedans. En tout cas, ça a goûté de la flotte. Et ça a goûté pendant plusieurs heures. Ça a maculé moi ma rambarde, mes plantes et ma fenêtre. Ça, en fait, ça a impacté sur mon rebord de fenêtre et ça rentrait chez moi. Donc j'ai dû fermer ma fenêtre. Et la fenêtre était... Il y avait plein de flotte. Et merde, t'es en train de chialer là. Y a pas de pomme. C'est dégueulasse. Oui, mais c'est ma voisine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Elle est pas éduquée, elle est pas éduquée, hein. Allez, les chiens, ils font pas des chats, hein. C'est que les parents, ils ont pas été éduqués non plus. Et puis, du coup, ils éduquent pas leurs gosses. Qui, elle a pondu des gosses qu'elle va pas savoir les éduquer. Y'a pas de secret, hein, dans la vie. Vous savez, c'est un peu bruyante. On est super copines. C'est l'été de la pire... Ah, mais oui. Mais ça peut... Mais avec cette pute-là, non. Cette voisine-là, non. Et non, petit machin ne dort pas dans le soutif. Il dort là-bas et c'est mieux. Ah non, il a déjà été assez insupportable. Il m'est arrivé à 6h15 du matin ce matin, ça ira. C'est bon. C'est bon. Ras le bol. Il me casse les noix. Même si j'en ai pas. Ma soeur mettait du jazz à fond parce qu'elle savait que ses voisins détestaient ça. Ah bah... Moi je sais pas, je les connais pas et j'ai pas envie de lui parler à cette meuf. Donc et même des fois je mets de la musique à fond, mais bon, ça je crois que ça les dérange pas en fait. Faudrait que je m'achète un beaucoup plus gros caisson de basse et que ouais je l'accroche au plafond. Là peut-être que il se passera un truc. C'est bon alors. Alors Manon elle va bosser dans une heure, donc elle va manger. Et elle va regarder la téloche. Et Totoya? Totoya? Va falloir faire des abdales un petit peu, hein, petit garçon. Mon petit garçon. Il travaille aussi. Tu vas aller pissoyer, s'il te plaît. Merci. Oh oui! À chaque fois, tout à l'heure, j'ai dit caca, c'était caca. Là, je dis pipi, c'est pipi. Mais oui, ce garçon. Mets-toi nu et fais l'hélicoptère. Oh! 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 Hard rock à fond. Ouais, je pourrais. Faudrait de la musique bien vulgaire qui apprenne des nouveaux mots aux gosses. Oh, tu sais. Déjà, quand tu la vois qui passe dans les escaliers, que c'est chiard et qu'elle est au téléphone, elle dit oh non, c'est un fils de pute, c'est un fils de pute, c'est un fils de pute. Tu dis est-ce que ces pauvres gosses, des gamines, toutes des filles, ont encore besoin qu'on leur apprenne des saloperies. Avec Marrant, on avait qu'un voisin flic, c'était qu'un dans l'immeuble, c'était top. Ah ouais, ça faudrait que j'aie ça moi aussi. Un flic comme Toya. Hein? Comme ça, bon sans les gosses évidemment. Hein. Ce sera mieux. Hein. Je pense qu'avec un flic dans l'immeuble, t'as personne qui moufte. Alors, nous sommes bien sur Manon, et ben on lui dit non. Manon, t'accompagne pas. LOL. Qu'est-ce qu'on rigole. ZS, je connais pas du tout. J'avais jamais vu, elle a l'apparence dans le frigo. Mais dans tous les frigos des Sims, regarde, moi je l'ai en petite miniature. Oui, il y a trop de lumière. Eh, chez les mosques. Et ça de la boy boys. Putain de merde, y'a trop de lumière. Oh la vache. C'est vraiment de la merde, hein. Voilà. C'est une créatrice qui fait ça. Et ça coûte cher par contre. Mais va bosser Gourdas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il fait le ménage. Comme Nikki.
Alors que ce soit chez mes parents ou chez moi, les voisins sont insupportables. Chez moi, le gamin de la voisine d'en face essaye toujours d'ouvrir la porte d'entrée. Hein? Et elle dit rien. Chez mes parents, tous les gamins de l'immeuble frappent aux fenêtres, sonnent à l'interphone et envoient des objets par-dessus la balustrade quand on les engueule, carrément des cailloux. Mais non, mais il n'y a plus d'éducation. Il y a des gens, ils font des gosses, ils connaissent pas le mot éducation en fait. Ils croient que l'éducation c'est l'école. Non, ça c'est l'instruction. Ils connaissent pas quoi. Ou alors, moi je dis un petit coup derrière la tête et puis une petite sieste dans le congélateur. Hein. Ou dans le sol du garage, vous savez, quand vous venez de coller le béton, vous les faites dormir dedans, ça les enveloppe bien, c'est un peu froid, mais ça peut faire quelque chose de sympa derrière. Alors, pour mes opalines, tant mieux pour elle. Faire de l'exercice pendant une heure, aller sur une scène de crime, parler au chef. Bon, alors, on va faire dans l'ordre. Le chef, il est là, on va aller lui parler. On va forcément se faire engueuler, parce que ben, le chef, il est comme ça, il est caractériel. On va faire une course tranquille. Non, pas une course tranquille. Tu vas faire un entraînement. Alors, est-ce que Shirley travaille aujourd'hui? Que des fainéants sont tous devant le PC. Shirley ne travaille pas aujourd'hui. Par contre, les bidous, ça pousse. Hein. Ça pousse. Hein. Je sais pas comment elle va la coucher, celle-ci. Hein, mais bon, on verra bien. C'est pas bien, voyons. Ouais, bah ouais. Oh, on dirait un tilton, pardon. Combien de temps cela prend-il de résoudre une affaire? Vous faites exprès de traîner! Je veux des résultats, Rainbow, et je les veux pour hier! Qu'est-ce que je vous ai dit? Toujours agréable, ce chef. C'est un ange! J'avais mon fils, ferait tout ça. Il tient la porte au voisin, il a 7 ans. Bah oui, bien sûr que ça s'apprend, mais ça s'appelle l'éducation. T'as vu, elle était belle, Héruline, hein, celle-là. Au moins, il y a quelqu'un qui a capté ma vanne. Ma vie est une vanne. Oui, on va dire ça d'ailleurs. Parce que franchement, il y a du comique des fois dans cette vie. Hein. Ouais. Oui, c'est pas grave, Coco, on va lui casser la gueule. Une fois qu'on sera au niveau 10, on va le tuer. On va le provoquer en duel. Et puis... C'est vrai qu'il est paresseux. Ça, on va lui faire sortir ses petits abdos. Chouette, un meurtre. Eh, hey, il faudra rester, revenez au camp. Vous pourrez rester, parce que je dirais pas quand on est au niveau 10. Mais quand on y sera, on va tuer le chef. Pour lui prendre sa place. Oui, je rigole comme dans les sens. Attends, il court là. Et il court. Il se perfectionne le body. Il est beau, il est sexy. Pour aller à la plage. C'est Toya. La petite pêche à moi. En matière de pêche, il est pas trop fourni. Hein. On peut faire le chocolat chez lui. À discuter des théories, fouiller les criminels. Oh, il y a un ordinateur de libre. Incroyable. C'est assez rare pour qu'on puisse souligner. Donc tu vas faire ça, et on va... Ouais, sur la scène de crime, je suis sûre que ça va être naze. Tu vas déduire un nouvel indice. Prends des... Ah, voilà. Prends des empreintes, fouiller fouiller et machin. On va reprendre la madame enceinte, parce que peut-être, quand même, que elle cache pas un bébé. Moi, je dis qu'elle cache pas un bébé, donc c'est empreinte. Moi, je suis sûre que là-dedans, il y a une bombe. Artisanale, certes, mais bombe. C'est facile de dire, hein, ouais, elle est enceinte. Non. Non, non. Moi, j'y crois pas. Hey, don't trust them. La mère, ma mère a chopé un des parents. Il lui a sorti direct, mais ce n'est pas votre immeuble. Vous ne vivez pas tout seul. Vous n'avez pas à faire de votre loi ici. Non, mais ça a vraiment... Mais putain, mais... C'est n'importe quoi. Il y en a, ils...
En fait, ils se prennent pour des victimes, quoi. Ils savent pas éduquer leurs gosses, mais après, c'est eux les victimes, tu vois. Ah bah, surtout quand ils vont être adolescents, c'est eux qui vont souffrir. C'est bien, ça sera bien fait pour eux. Parce que des gosses qui sont pas bien éduqués, quand ils arrivent à l'adolescence, bon. Elle est pleine de drogue, tu crois? Moi, je dis qu'elle cache quelques sextoys là-dedans. Attends, ils sont à 4, hein. Elle a rien trouvé? Encore de l'exercice? Putain, mais vous avez... Quand même, les Sims, vous avez pas vu que Toya, il était feignant? Ça marche pas. C'est bon. Eh ben, tu peux... Ah non, il faut que je clique sur ça. Hein ? Enfermé dans la cellule. Je vais couper un petit bout de chocolat. Bon bah, tous les sorties sont... Lui, il est sur Tinder, je l'ai vu. Ah, lui, pardon, vous n'avez pas vu. Toi, t'es vieille, tu dégages. Il n'y a pas machine seule, il n'y a pas astrait. Toi, t'es moche. Tu dégages. Ah! Il a trop un PC! Il est trop fort. Ce Sims a trouvé un PC avant moi. Oh, l'esprit de chamallow est en train de disparaître. Mais il restera toujours dans notre cœur. Tu portes des baskets, tu rentres pas? Comment? Ouais, j'ai cité des théories de l'affaire. Il semblerait que ma petite Simself ait bien mangé un McDo. Alors, il y a eu quelques petites pochons Pokémon qui sont passées par là. Eh ben, coquine, j'espère que t'as eu Pikachu au lot, hein. Tu caches une bombe aussi, non, c'est juste du gras, là. Promis. A priori, elle s'est pas mariée, donc ça veut dire que, potentiellement, c'est Martial le papa. Oh merde, ça veut dire qu'on va aller... nos gamins, ils vont aller à l'école avec les gosses de... de ma Simself. Bien sûr que le père est beau, par rapport à elle qui est pas belle, hein. Bien sûr que c'est Martial qui va être papa. Bah, il y a des chances, hein. Bah, j'espère. Je l'espère beaucoup. Il y a un civil qui est là, tu vas faire un rapport de police. Oh la vache. C'est l'explosion, là, Shirley. L'explosion. Ça va être le géniteur de la prochaine génération. On sait pas, hein. Regardez, lui, il est fan de Jacqueline parce qu'il s'est fait des sourcils bleus. Moi, Jacqueline, c'est mon modèle. Alors, pour lui ressembler le plus possible, je me suis teint les sourcils en bleu. Parce que au niveau des cheveux, ah, c'était trop compliqué pour moi. C'est pour ça qu'elle avait mis enceinte avec le... Je m'en souviens plus. En vrai, j'y ai pensé, Tinouille, mais je me souviens plus si c'est le cas ou pas. Oh, tu sais, ça remonte à une semaine ou il y a deux semaines, donc en vrai, moi, j'ai oublié, tu sais, j'ai dormi, même si ça se voit pas. Mais faut pas gâcher le potentiel de la mère, justement. Est-ce qu'il a un scooter, le fan de Jacqueline? Ah bah, peut-être qu'il se l'est fait voler, peut-être qu'il est là parce qu'il s'est... Oh, oh, ce profil de qualité. Pardon, je suis malveillante.
Après, on va dire que je suis raciste. Oh no! Jamie s'est réveillé. Oh mon dieu, il va venir me laminer les cuisses. Tout ça, tout ça. Prendre des... Oh non, t'es chiant. T'es chiant le jeu. On va aller faire du sport à la place. Il va les frapper. Si vous entendez du bruit, c'est Jamie qui s'est réveillé et qui joue. Tu t'en souviens, Tinoui? Ah. Ah mais comme quoi on n'est pas tous à part Tinoui, on n'est pas tous sûrs que 100% que c'était moi. Mais il y a des grandes chances. Mais j'avais oublié. Tu sais, moi j'ai un petit cerveau comme ça. On dirait pas, mais. Je cache bien mon jeu, mais. Petit cerveau et gros boobs. Ça marche comme ça chez moi. Marcel, il s'est endormi? Les cloques. C'est vrai que je suis très cloque aussi dans la vraie vie. Ah oui! À ce moment-là. Allô, Martial? Oh putain. Madame, elle a avalé un ballon de foot. Qu'est-ce qui se passe dans notre berry là? C'est comme les chatons, c'est la saison. Ça se reproduit à foison. Mais il a succombé quand il a pris la grossesse, j'avoue. Il dit, oh mon dieu, quelle horreur. T'as vu ça, Marie? C'est un truc de fou. Bah, elle l'est pas, ou a priori, elle l'est pas encore. Allez, on peut la mettre enceinte. Allez. Ah, on a déjà trois. Ah bah ça va alors. C'est bon, on va pas la remettre en cloque quand même. Il y a une surpopulation après. Quand tu veux pour parler au chef là. Ah bah non, d'accord. Je vous couvre depuis trop longtemps, Rainbow. Je ne vais pas regarder ces rues sombrer dans le chaos à cause de votre ego. C'est bien, ça rime en plus. On pourrait faire une chanson avec ce qu'il dit. Fouiller les criminels. Oh, c'est chiant. Et on va faire l'autre madame. Oh, peut-être que l'autre madame, elle est pas enceinte en fait. Et les empreintes. Ah, faut quoi? Résoudre trois affaires, c'est bon. Pas trop compliqué. Bibécha, bah, il est en train de jouer. Je préfère pas l'appeler parce qu'après il va venir me squatter et... Je vais être libre de mes mouvements pendant au moins un live. Désolée, je mange du chocolat, ça fait tellement du bien. Pire, je pense que dans le commissariat, il y a eu des Immaculées Conceptions. Ah, c'était quoi ça? Toya, il aime bien ploter les femmes enceintes. C'est l'excuse. Une poupée! Qui parle? Genre, c'est pas à toi. On a vu où tu l'avais caché, hein, coquine? Yabajarzouk. Putain, ils ont... Hey. Ils sont obsédés avec leur exercice, hein. Il leur a fait du sport aujourd'hui, Toya. Allez, il va faire ça maintenant. Il va ressortir fité comme jamais, hein. Mais Melbourne n'a pas atteint, tabarnak. En plus, il est triste. Parce que sa tata, elle est morte. C'est l'anniversaire des pommes, que le temps peut passer vite. Commissariat du Saint-Esprit. Amen. Ouais, il est désespéré rien qu'à l'idée de faire du sport. Je le comprends, hein, je suis pas très sport non plus.
La journée se termine dans une heure. Bah, tu commences à faire ton sport. Regardez, il a même pas encore fait. Qu'il a déjà une partie de fête, quoi. Elle a ramené 180. Mais par contre, elle est nulle. Elle travaille pas bien. Elle fait pas de promotion, hein. Ni canapé, ni rien. Là, si vous entendez du bruit derrière, c'est Jimmy. J'allais dire, c'est Toya. Non, c'est pas Toya. Ah, putain. Comment il galère. C'est trop bien fait. Et c'est l'heure de la pub. C'est comme ça qu'a décidé Banner. C'est de vous foutre de la pub dans le nez. Donc, bien sûr, je remercie tout le monde qui regardera ces petites pubs. N'hésitez pas à le mettre dans le chat comme quoi vous avez eu la pub parce que ça contribue à mon incroyable richesse. Et on se retrouve tout doux, sweet. Ciao. Oula. Bah oui. Tu m'étonnes qu'il est parti de la salle de sport s'il y a madame qui est en culotte là. Ouais, oui, mais madame, Toya, il est marié, hein, il a des enfants. Et il peut pas regarder des femmes comme ça. Bah, fou, quoi que s'il y en a, ça empêche pas. Et sur le lieu de travail en plus. True story. Oh non, il arrive. Oh non, il arrive. Ah, t'as déjà fini ton appel? C'est pas moi. ...1077 Simflouz, merci beaucoup Toya pour cette journée incroyable du CHU. Elle sent qu'elle fait tâche à ne pas être en cloque. Ah oui, donc elle dit allez, allez, prenez-moi. Quelle sacrée coquine. Oh, lui, il y a aussi. Il y a une glace ici, tu vas te donner des paroles d'encouragement. Bon, ben, on a hâte que Pom Pom elle grandisse. Hein. Bon, elle, en vrai, un câlin, qu'est-ce que c'est, babillé. Oh là là, le calling. Quelqu'un vit ici. Oui, toi. Pourquoi il y avait... on avait mis le mouchoir comme ça. Je m'en souviens plus. Qu'est-ce que c'est? Ekna. Ouais, ça va, les totos. C'était que ta tante, hein, tu l'as à peine vue. Mais elle va jamais bien, quoi. C'est un truc de malade. Elle dort pas, elle bouffe pas, elle se lave pas. Va dormir dans la baignoire, wesh. Prends un bain de mousse. Voilà. Ça t'ira dormir J'ai été dit non pour la sieste. Qu'est-ce que tu fous là, Ginette? Ah, mais là, il y en a un truc là. Mon petit machin, il bouffe. Un chaton sauvage. Ça m'étonne pas que ce soit une true story. Ouais. Ouais. Bécha fait le bruit d'apparition. Non, mais je l'ai reposé parce qu'il va me casser les pieds. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est parce qu'il d'ailleurs, il marche sur le clavier et ça m'insupporte. Parce qu'il fait n'importe quoi. Ceux qui sont sur Discord le sauront. J'ai régulièrement des messages à leur envoyer. V de n'importe quoi. Parce que c'est eux. Titi me l'a fait l'autre coup. Hein. Chez Marie, il s'est allongé sur le clavier. J'ai dit, bah voilà, c'est Titi, il a parlé. Non mais là, il arrive. Ne vous inquiétez pas, il est en bas là, il a mangé, il a bu. Il va venir me ressauter dessus. Ah, quoique. Hop là. Vous allez le voir pisser en direct sur le canapé. Oh là, alors attention. Ça, c'est la place à Dex. Alors, tu fais pas de conneries.
c'est un sanctuaire ici. Je vérifie parce que je veux pas qu'il pisse. Dégage. Ah, excusez-moi, je veux pas que vous me voyez non plus. Commence pas. Petit coup. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça dans une litière. Ouais, non mais je surveille. Hein. Après, il voulait refaire sur le rideau qu'il a déjà fait il y a pas longtemps. C'est bon, j'en ai marre qu'il bâtisse toute la baraque. Là, vous avez écrit Jamie. C'est J-A-I-M-I-E. Mais je pense qu'il va s'appeler Trouduc, hein, au bout d'un moment. Va te coucher, Georgette. Mais c'est pas vrai. Il a pissé sur une de mes serviettes dans la salle de bain. Et je viens de le voir. Super. Allez, je suis ravie. Mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je sais pas quoi faire. Tout va bien. Ah, ça m'énerve. J'ai envie de le défoncer sa gueule. C'est sympa, Trouduc, hein. Je suis juste en avance une année. C'est l'année prochaine, l'année des Trouducs. Quoi que tu me diras, il n'y a pas d'année pour les Trouducs. Ah, oh, j'en ai marre! Si tu apprends à ton frère à pisser au bon endroit. Pff, mais il sait y aller, c'est pas ça. Il sait très bien où aller pour pisser et chier. Parce qu'il chie dans la, il chie là où il faut. Donc c'est pas une question de ça, je sais pas ce qu'il a et ça m'énerve. Je lui mettrai tout le litron, Kitty. Je vais lui mettre toute la dosette. Fais gaffe, toi, là. J'ignore complètement les gamins du jeu, mais c'est pas grave. Et tu casses pas le ballon de Julien Doré, sinon je t'en fous une aussi. Oui, c'est le ballon de Julien Doré. Ouais. Ouais. Bah non, il a pas l'âge, Marie. Il est trop petit pour marquer son territoire. Qu'est-ce que tu fous? Hé, hey, tu vas pas commencer à me casser les couilles, hein. Bon, je te le dis, hein. L'éducation, ça va être un coup de fouet. Venez, quand il dort, je suis tranquille. Mais toi, il y a aussi, commence pas à m'énerver. Ça y est, je vais être énervée, mais pas dans le bon sens. Là, ça va pas aller du tout, ça. Je vais tuer quelqu'un. Faut que je tue qui, à votre avis? Ah, mais c'est un gosse, hein. En même temps, c'est normal qu'il fasse des conneries. D'ailleurs, j'ai pas encore enregistré. Là, il joue avec le boudin à la porte. Je préfère encore qu'il pisse dessus. C'est pas un truc qui me sert. Tu t'accouches quand, toi? Hein, quoi? Troisième trimestre en 5 heures. Allez, on peut essayer d'y aller jusqu'à la naissance, comme ça après on est tranquille. Mais j'en peux plus, il refait des conneries. Je
plus la patience, moi. Qui c'est qui a la patience? Qui c'est qui en veut? 2000 balles. Ah! J'attends vos propales. Je vous l'envoie par la poste. C'est pas très lourd. Mais va jouer avec des jouets, je sais pas moi. Quel casse-couille. Ah, je me suis défoncé le genou. Ta voisine, ah putain, elle est partie cette pute. En plus, elle est même jamais là pour rendre service, quoi. Ah, quelle connasse. Tu prends Martial? Bah vas-y, viens le chercher. Insupportable. Insupportable. Bon, alors, on y va. On va aller au boulot. Ça me changeait les idées. Il a pas... Non, Marie, il n'a pas pissé ni sur mon tapis, ni sur mon lit, hein, t'inquiète, hein, c'est ailleurs. Canapé. Serviette, chaussons. Ouais, il s'attaque à un vrai jouet. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? J'ai faim. À foutre de ta vie, te draler, que ta faim, bah, bouffe. Déjà, tu dors, Oh, bah, fais une sieste. Que c'est couille. J'ai plus la patience. Ouais, bah, s'il le fait dans le lit, je peux t'assurer que c'est fini. Il dormira plus avec moi. Parce que c'est bien beau de faire ses petits yeux et de faire son. Oh là là! Je suis mignon! Ouais. T'es mignon, mais t'as sacré petit con aussi. On dit en général que t'es mignon, mais t'es un bon petit breton, mais... Là, t'es surtout un petit con. C'est comme ça qu'on dit, dans le jargon. Tu dors maintenant. Mais il est encore avec sa tati, lui. Casse les couilles aussi. Combien de temps? 20 minutes, ça. Ah, et puis c'est bon, j'ai compris. Il veut pas faire. Et je vous jure, en plus demain, je vais rentrer à pas d'heure. J'ai très hâte de voir toutes les merdes qu'il m'aura fait entre temps. Ah, je suis ravie. Bon alors Pomme, elle grandit quand? Quand on rentrera du taf, je pense. Manon. Ouais, vas-y. En Oubou, salut Quentin, comment vas-tu? Je suis énervée. Je suis une femme en colère. Je suis un homme en colère. Ah, oh, j'ai mal. Je suis tellement explosé le genou. Tu fermes la porte de la chambre de journée quand tu... Non, je ferme pas. En général, je ferme jamais. Il n'y a aucune porte qui est fermée, sauf la porte de d'entrée, évidemment. Il est sur la table de salon. Ah, vous voyez pas. Tu descends de là. Je t'ai déjà dit de descendre 15 millions de fois. Descends. 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 Voilà, t'es descendu. Oh, biche.
Oh, Nubu Hanga. Chucha, chucha. Bon, il fait des câlins à merguez. Et si tu laisses la serviette salie près de sa litière, bah bien sûr, c'est la serviette qui me sert pour me laver, pour m'essuyer les cheveux. J'en avais besoin là juste après le live. Enfin, mes cheveux, ils vont sentir la pisse. C'est génial. Je suis ravie. Hein, je suis énervée là. Je suis vraiment saoulée. Parce que ce connard de chat, Quentin, ce petit con, n'arrête pas de pisser n'importe où. Donc il m'énerve. Voilà, c'est tout. Eh ben, tous les ordis sont déjà pris. Quel bonheur. Eh ben, je peux vous dire que être flic, c'est vraiment pas... Hein, c'est être sur Facebook toute la journée. Hein. Non, pour me faire croire qu'il bosse, hein. C'est qui le patron? Bah apparemment c'est lui. Almo! Vous croyez intelligent, n'est-ce pas? Je parie que vous pensez même être le plus futé de cette pièce. Eh bien, je vais vous dire une chose. J'ai déjà provoqué des accidents de vessie chez des Sims ayant un cerveau deux fois plus gros que le vôtre. Ouais, mais avec une plus petite bite. Ah là là, parcourir la base de données. Casse-toi, t'es vieux, toi, tu te casses. T'es vieux, t'es vieille, j'en sais rien, je m'en fous, tu te barres. Ah, Astray! Astray, elle est là. €2000. Le chat pisseur. Promotion exceptionnelle. Quoi? Ça t'intéresse, les Sims? Voilà, vous avez un... Même un gameplay léchage de pattes. Ah, si tu veux, je t'aide. Hein. Voilà. Bafetesh Magra. Grinoy Foybi. Ça pisse aussi, Camille. Elle est trop chou, ça pisse. Elle sent pas du tout. Bah oui, mais si tu gesticules, moi, j'essaie de te jouer avec, hein. Ah, il est où? Alors. Ouais. Tu pues en plus. Et en plus il pue la pisse. Tu t'es roué dedans quoi. Ah. Pue la pisse, ce gars. Pue la pisse. Petit pisseur. Tu le veux, Marie? Ah bah vas-y. Viens le chercher. Parce que tu vois, moi j'ai beaucoup d'expérience avec les chats. Il me casse les couilles. J'ai hâte qu'ils grandissent, hein, je vous le dis. Que cet épisode soit derrière nous. Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi, j'espère que c'est réciproque. Le préfet me met la pression, alors devinez quoi, petit génie? Je vais devoir vous mettre la pression aussi, je veux des résultats! J'aime bien imiter le chef, ça me fait rire. Je rigolaxe à max. Tu vas faire quoi? Tu vas aller sur l'ordi? Tu vas aller faire du sport? Ça évite les temps de chargement. Voilà, il est en train d'agresser le rideau. Que j'ai dû laver parce qu'il a épicé dessus. C'était pareil quand il était chaton ou pas? Tyrion a fait des bêtises également quand il est arrivé. Il m'avait fait un... Ouais, il m'avait fait pipi caca un petit peu aux alentours, quoi. Il m'a fait un caca en plein dans le lit aussi, au milieu du lit, parce que monsieur avait été... voilà, et j'étais en train de changer la litière, ça lui a pas plu, donc il a été faire caca au milieu du lit, c'était super. C'est les chats, c'est les risques. Ah mais j'ai déjà fait... Oh, vas-y, arrête ton sport.
Prendre une photo d'identité, aller patrouiller. Bon, on va aller patrouiller. On va aller patrouiller. Titi nettoie tout ça. Mais non, bichette, il fait rien, lui, il est sage. Ah, Titi! Il va avoir une oreille qui est là, il fait... Hein? Quoi? Mais regardez chez qui on a... Qui on a ici? Ah... C'est pas possible, hein? C'est vraiment pas fait exprès, mais alors ce let's play est devenu le let's play Shirley, quoi. C'est pas possible. Martial a tué quelqu'un. Non. Oh, regardez, il y a mon loulou d'amour. Il y a Doudou qui est là. Oh. C'est terre. Il regarde Tyrion, c'était tellement ça. Et là, j'ai Titoun. Oh, Titoun, il est tout petit. Il fait tout petit. Ah, il est adulte pourtant. Moi, ouais, je l'ai moins bien fait. Je l'ai moins bien fait que Doudou. Dex, elle ressemblait énormément. C'est très perturbant de le voir dans le jeu. C'est tout à fait Doudou, ça. Bon alors, Martial, t'as tiré ton coup? Comment tu l'as défiguré, ton Simself? Sérieux, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sinon, comment ça va bien? Tiens, c'est qu'à ta couche quand? Et bonjour, en fait. C'est toi le mec? Ah bah, d'accord. Ouais, écoute, j'ai toujours ce côté exhib en culotte. Ah, son sol. Oh. Oh putain. Titi. Et Doudou qui s'allonge. Oh. Et bébé. Va falloir créer Jamie, ouais, on verra s'il arrive à survivre déjà d'ici là. Non mais lui, il est tigré et tout, c'est beaucoup trop compliqué à faire. C'est quoi cette voix? Discuter avec plus de civils. On va discuter logique avec Martial. Et de secrètes de cuisine. Aussi. Ah, salut King of Pom, comment vas-tu? Cet air blasé de Dex, bah, tout le temps, il a toujours été blasé. Non, il est trop beau, mon doudou. Non. Il me manque. Alors, émettre un procès verbal. À Martial, tu te... On va te foutre une prune, ça te dérange pas? Non, parce qu'il faut le faire sur des gens qui sont énervés et qui se battent, je crois. Donc, il faut trouver des gens qui se battent. Mais là, on est tombé chez le plus beau couple des Sims, alors... Ah! Ah! Ouf. Là, il y a quelqu'un. Ah ben, il est vénère. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec lequel se battre? Non. Ah, il y a quelqu'un là. C'est la saison des reproductions, hein, chez les Sims en ce moment. C'est... Laisse tomber. Ah, tiens! Arrête de toucher à... Arrête! Maintenant, il griffe ma main qui est sur la souris. Je te dérange pas? Ah non, il faut qu'il attaque tout ce qu'il voit. C'est même pas tout ce qui bouge, c'est tout ce qu'il voit. Tu laisses ma main tranquille? Simélon de l'Estang. Siméon de l'Estang. Pourquoi pas? C'est moi quelqu'un qui m'a fait ce personnage. Hein. Pour s'appeler comme ça, c'est obligé. Donc il est vendeur à Sulani. Non, il est en train de gratter l'écran. Arrête. J'en ai marre que tu foutes ta tête dans mon verre. Ça commence à devenir chiant, en fait. Ah, oh, il faut de la patience, hein, moi, je vous le dis. Hein. Et encore, vous le voyez pas souvent. Vous voyez qu'en live, moi, je suis toute la nuit, la soirée. Va jouer à ça, regarde. Ah, un truc de Pokémon.
Attends, regarde. Là. Tu veux jouer à ça, regarde. Regarde le papier. Tu veux jouer au papier? Viens, viens, viens jouer en bas, par terre. Viens, c'est là-bas. Rien à foutre. Ça, c'est mon téléphone, t'y touches pas. Même si je vais changer. Enfin, bref. Comment voulez-vous qu'on en émette un avis, là, de je sais pas quoi, là. Comment ça s'appelle? Un procès verbal. Patrouiller pendant 2 heures. Bah, patrouille, alors, Jean-Claude. Va là-bas. Ah, est-ce qu'ils vont se castonner la gueule? Non. Je vais vous laisser juste passer vous faire un agent 21 QQ. Profitez tous bien et à bientôt. tu profitais pour passer un agent 21 QQ? Ah, c'est un signe créé par le jeu? Avec un nom pareil? T'es sérieuse? T'es sûre que c'est pas quelqu'un qu'on a installé les familles aussi, toutes les deux? Bonne soirée, King of Pomme, des bisous! Et bah bon courage à toi. Pour tout, évidemment. Bon, ah, enfin, on y retourne. Alors, on se casse. Allez, on s'y casse, Toya! C'est le Plum Bob, ça. Ah oui, t'as vu, ça tourne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parler au chef. Putain, mais c'est pas possible, on va passer notre vie à parler avec le chef, quoi. Puis il va mal nous parler, comme d'habitude. Il est dans la matrice. J'ai été viré, mais ça va, mort de rire. On garde la forme, mort de rire. T'es sérieux? Comment ça, t'as été viré? À cause de l'histoire du cambriolage et tout, et de ton visa? Exactement, même, j'ai pas installé Sims depuis longtemps. Mais il est attentif, ben il aime bien que ça bouge en fait. Après, là, là par exemple, c'est moi, ma souris qui regarde. Ah, tu as discuté des théories avec le chef? Mais monte pas, Jean-Claude! Et merci, Srian, pour ton follow. Bienvenue à toi! Il crée ton écran avec ses griffes. Bah, a priori, non. Je me suis pas posé la question, mais là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de résister. Ah, il lui gratte le zizi. Arrête de gratter le zizi de Toya. Tu me diras, il en a encore besoin, mais quand même. Il comprend pas, il fait, mais... Je vois bien que ça bouge et tout, que ça... Mais je peux pas l'attraper. Oh là, oh là. Ils m'ont dit faute professionnelle alors que j'ai rien fait. C'est pas grave, d'autres personnes auront besoin de soins. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment, là? Salut, Srian, merci. Et bonjour à toi, pardon, excuse-moi. Alors, tu me vois pas parce que je suis ici. Donc, on voit le petit con qui pisse partout. C'est lui qui a la vedette ce soir. Voilà. Cracotte. Regarde là. Coucou. Coucou. Tu regardais mes petites papates? C'est un petit con. C'est un pisse partout celui-là. Et range ta queue par contre, j'en ai pas besoin. Alors,
alors prends des photos des gens. Putain, mais c'est chiant. Allez, on va aller sur la. Il est quelle heure? 16h28. On va aller sur la scène de crime. On va peut-être voir. Peut-être que c'est plus buggé. On va voir ça. J'ai envie de voir. Alors, tac. Bon, on a encore ces tâches comme ça, mais... Ah, ça fonctionne. Ça fonctionne. Oula, madame est enceinte. Non, mais ça va pas tarder. Par contre, le look... Oh, le look aussi. Ah, mais c'était elle tout à l'heure. Ouais, de toute façon, c'était une jeune adulte, donc ça marche pas. Chambopalaf. Il y a eu quelques incendies ici quand même, hein. Bon. Ah, on a trouvé des choses, ça y est. Tu vas prélever un échantillon et prendre une photo. Prends une photo. Il y a rien eu ici. Oui, bah tu peux essayer de l'attraper, hein. Ça se termine dans une heure, échantillon, tout ça. Ouais, non mais moi c'est bien, c'est ce que je voulais. Parce que quand même, on commençait à se faire un peu chier. Je veux pas être méchante, mais... Et témoin. Aurélie Grisou. Bon, bah, elle veut pas. Elle s'en va, donc on va aller voir Véronique. Oui, tu l'aimes bien Véronique. Véronique, Nick, regarde, elle a une tendance à elle toute seule. Elle l'a faite elle-même la tendance, tu vois. Elle est partie sur une tendance verte. Bah ouais, avec une petite touche de violet. Hein, elle est dans une dans la tendance. Ouais, prédiction, exactement, Héruline. Prédiction sur le sexe du bébou. Ça peut y aller, on peut y aller maintenant, ouais. Parce que c'est dans la dernière ligne droite, donc ouais. Alors, une déclaration de témoin a été faite. Véronique n'a pas fourni beaucoup de... Bon, ouais, Véronique, t'es naze. Tu pues du bec. Salut. C'est moi. Ah. Une chaussure. Une chaussure. Une chaussure. On va rester tard comme ça, ça nous évite de nous occuper des gosses. Ah! Arrête, c'est Jamie hein, qui appuie sur les touches et qui fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fous? Oh putain! Je les avais pas vus les tombes! Raphaël Mandir, Chantal Mandir et Chantal Mandir. Comment ça, Chantal Mandir et Chantal Mandir? C'est la Chantal première du nom qui a donné le nom à Chantal deuxième du nom? Elle est belle, elle, hein? Eh! Elle est plutôt mimi, hein? Elsa Sanchez. Et bah tu vas lui... Ah. Ah oui non je l'ai déjà fait. Alors c'est lui qu'on va récolter les indices. C'est n'importe quoi. Le voleur s'est pris Cendrillon avec la chaussure. Eh. Tu refais des conneries toi? Pas le clavier. Pas le clavier. Ah, voilà, il a raconté ce qu'il avait vu. Maintenant, on va retourner au commissariat. C'est, oui, c'est bon. Ah, c'est cool parce que la scène de crime est donc. Bah, elle refonctionne. Donc il y a une prédiction en cours, n'hésitez pas à refresh si c'est pas déjà le cas, si vous ne la voyez pas, il vous reste moins de 30 secondes pour faire la prédit. Le bébé sera un petit mec 36%, une petite meuf 64%, de toute façon ce sera forcément une fille.
Même si c'est censé être un garçon, ce sera une fille. Donc ne votez pas pour les garçons. Même si Marie, elle a déjà mis 5000 points. Attends, Coco. C'est Coco. Et Marine, 6000 chez la fille. Ben dis donc. C'est beau, ça. Ah, une rouquine. Elsa Arc-en-Ciel. Tiens, Arc-en-Ciel, c'est des descendants de, d'une famille. Qu'on... Oh là. Pourquoi ils ont des yeux chelous Alors, comparer les informations, analyser une preuve. Machin, machin. Alors, on va commencer par elle parce qu'elle est là. Non, on peut pas. Bon, bah, on va faire une preuve. Analyser une preuve, échantillon de preuve. Allez, c'est parti. Il m'a pas agressé, ce chaton. Bah non, à force d'aller pisser n'importe où. Il m'a déjà cassé les couilles, en fait. Hein. Je suis déjà n'importe quoi. Tabernacle. Chantal est double morte, c'est ça. Ah, tu nous tiendras au courant, King of Pam. Ouh. Je sais pas s'il aura le temps de finir ça. Oh, si, 40 minutes, ça devrait aller. Au moins la preuve, quoi. Après, on continuera ça la semaine, pro. Du moins, parce que là, si elle est dans son... À quelle heure on a fait crac-crac? Mais vous en souvenez? Enfin, je veux dire, pas aujourd'hui, mais... Voilà, vous avez compris ce que ça veut dire, quoi. Ça va, ta faim. Oh, ça va. Tu vas faire un petit pissou. Bah, si tu veux, tu peux manger ton caca. Il a rien à manger là-dedans, il a des vieux poiscailles dégueu. Qui lui ont permis d'être élu héritier, évidemment. Il n'y a rien à bouffer. Comparer les informations, ajouter des indices. Ajouter des indices. Eh ben, c'est trop tard. 1316 Simflouzes. Voilà, maintenant on est entendu pour le truc de travail, machin, truc, mais bon, ça va, elle a un sacré bide. D'ailleurs, tu vas faire la vaisselle, merci, au revoir. Tandis que notre Saint-Oya va pouvoir se repaître de ces délicieux petits plats qu'il a dans son magnifique frigal. Une pomme de terre en robe des champs. Une. Ni deux, ni trois. Une. C'est bébé, si, elle va grandir, elle va grandir. De toute façon, elle est obligée de grandir avant la naissance de petite sœur. C'est obligé. Il y a des wesh dans le coin. Il y a des wesh. Je sais pas, j'ai cru que j'avais entendu crier. Mais non. Toutou. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il va voir Merguez. Non, Merguez, il va bien. Il a bien. Mais elle est jamais... Elle, ça va jamais. Vous avez pas remarqué qu'elle allait jamais bien? Les gars, toute la journée, rentre chez lui, la seule chose qu'il mange, c'est une patate, c'est pas très copieux comme repas, c'est ça. Bah écoute, ça l'a bien rempli, hein. Rien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec le lapin? Il va le nourrir avec de la poussière. Fais pas ça, après, tu vas avoir de la thune. Tu vas aller marcher dessus. Saloperie. Tu sais, il lui a parlé, après il va faire là.
Magnifique. Maintenant, je t'ai dit de regarder la télé, tu regardes la télé. C'est quoi ton problème? Il y en a plein qui font que ça de leur vie. Je vous jure, j'ai perdu petit machin, là. Je sais pas où il est, j'ai l'impression qu'il va pisser partout. Là où je ne le vois pas. Jamie! Oui, bien sûr, il connaît pas son nom. Jamie! Jabine, longitude. Alors, va l'embrasser langoureusement ton homme, ton mari. Parce que vous êtes mariés. On a assisté au mariage en pyjama. Même pas en pyjama. Oh, ah là là, ça va mieux, ils sont en costume. Costume, costume. Ah non, la petite, elle va grandir là. Pam pam, tu grandis? Alors 3, 2, 1. Il est là. T'étais où toi? Ouais, miaou. Non, je suis sûre qu'il a... J'ai l'impression que ça sent la pisse. Marine a offert un sub à Marina. Lololol. Merci beaucoup pour ton abonnement offert. Et arrête, ça suffit, maintenant je vais te taper. Gros bisous à toi, Ismaël les boules. Je vous jure, ça sent la pisse. Oh, ah, tu pues. Ah non, il a pissé quelque part là. C'est pas possible. T'as pissé où? Rugi Payoun. T'as pissé à un endroit où c'est normal? C'est dégueulasse. Bon, il a fait caca. Il a fait caca dans la litière. C'est que ça pose pas de problème parce que c'est au bon endroit. J'ai l'impression qu'il a été pissé quelque part quand même. Bon, vous voulez toujours de ce chaton là qui a le cul Oh, tu pues. Tu pues du cul. Ouais, ronronne, ouais. Avec toutes les merdes que tu me fais. T'as bien raison de ronronner. La recherche du pipi perdu. Non mais t'inquiète, je vais chercher après le live. Mets ton cul bien en... Ouais, faut aérer tout ça. Hein. Ah, oh putain, non, vas-y, t'allais pas te mouiller en plus. Allez, je te laisse par terre, tant pis. Amuse-toi. Voilà, il va manger. Mon pomme, elle a pas envie de grandir, cette connasse. Alors, tu vas être couché, effectivement. Voilà, tant pis. Hey, 3, 2, 1. Pomme verte. Allez, papam. Oh. Ah, elle veut pas grandir. Après, c'était à sa sœur 52 qu'elle grandissait. Hein. Enfin, qu'elle avait la notif. Hein, j'avais regardé. Oh, vas-y, ça chiale. Hein, quel enfer. Putain, il y a 40 000 machins là. Tu vas passer l'aspirateur après. Allô Houston, nous avons un problème. Nous avons un... Après, bon... Allez, ça va, on a encore deux berceaux là-haut. Parce que la deuxième n'a pas encore grandi. Tu t'es fait ban? Qu'est-ce que t'as fait, Ruline? J'ai même pas vu. Ah non... Je sais même pas où il est. À chaque fois que je le vois pas, je me dis qu'il pisse quelque part. C'est bon! C'est parti les enfants!
D'ailleurs, troisième enfant de la génération verte, une troisième petite fille. J'espère que vous êtes prêts pour les prénoms. Je sais plus du tout où on en était au niveau des prénoms, donc. C'est parti! Ah, t'as mis trop d'émotes. Esmeralda? Pourquoi? Pourquoi Esmeralda? Guacamole. On verra Marie quand il sera à Guacamole. Ah, mais il est là, à mes pieds! Mais alors? Ah, bah voilà, il grimpe du coup. De toute façon, il commence à avoir le coup de main pour grimper sur moi. Hein. Il fait même des vols planés comme ça, avec les pattes comme ça pour. Pour m'agripper au vol. J'ai envie. Bah, il faut que ça ait un rapport avec le verre, mon biquet. Si t'as envie, on voit ça après. J'aurais un guacamole et une mimolette. Ouais, et un cheddar aussi. Cornichon. Non, pas de cornichon. C'est une fille! Attention! 3, 2, 1. C'est une fille! Comment on l'appelle, cette fille? Je m'en fous. Je veux l'appeler comme une fille. Émeraude, c'est bien. On était parti là-dessus la dernière fois. Jade, Émeraude. Allez. Jade ou Émeraude? Jade ou Émeraude? Pauvre petit. Cornichon. Exactement, Dine. Elle a juste trois bras, cette petite. Émeraude, ça saute plus mixte. De toute façon, ça sera un sondage. Émeraude. Le Hulk. Je vote pour le Hulk. Je vote pour le Hulk. Le Hulk. C'est très bien le Hulk. Non mais pas Hulk, le Hulk. Les fans de Friends, on les reconnaîtra. Faut que je retourne sur mon truc. Oh là 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 là, c'est où YouTube? Oh non, je suis dégoûtée. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Si je vous écoute, c'est parce que vous voulez toujours que je me pourrisse. Vous aimez me voir rager. La 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 la. Je regarde. Ah! Oh! Tu m'as défoncé. Tu pues du cul. Oh. Alors je mettrai pas ça. Parce que ça me rappelle. Alors on va mettre Midori. M-I-D-O-R-I. Parce que ça veut dire vert en japonais. Et je trouve que c'est pas mal. Le Hulk. Et puis. C'est dommage, j'avais Basile, mais Basile, on l'a mis dans le Legacy, donc. Bon, écoutez, ce sera entre les deux. Allez, Persil, si tu veux. Vas-y, Persil. Persil. C'est ça, Persil. Persil, j'ai déjà oublié. Le Hulk. Et quoi? J'ai déjà oublié. On n'a pas les résultats. Arrête de faire ça!
Mais je sais pas pourquoi, parce que j'ai. Ben, c'est juste le truc, il est buggé en fait. I am sorry. Non, c'est que pour le sondage, je crois. Non? Tu fais le sondage. Oui, Midori et le Hulk, c'est tout. Et Persil. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ronronne. T'as raison. Nouveau sondage. J'ai plus l'habitude, moi. Allez, eh oh, ça suffit. De toute façon, c'est pas possible, on pourra pas voter pour lui. Petit bébou, laisse maman travailler, sinon papa va faire pantan cucu. Vas-y, montre mes nichons sur Twitch aussi pendant que tu y es. Alors, on va mettre ça rapide parce que j'ai l'impression qu'on va mettre 10 ans. Donc, ce sera sur 1 minute, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est le sondage qui est lancé. C'est bien donc au-dessus. N'hésitez pas à mettre un refresh, un petit F5 si vous ne voyez pas ce sondage apparaître dans le chat. 1 minute, c'est tout ce que vous aurez pour aller vite. Imagine, il est ultra beau et ses sœurs moches. Eh ben, il se transforme en roi, en fille. C'est tout. Je suis dégoûtée. De puer la pisse aussi maintenant, moi. Il vous reste quelques secondes, n'hésitez pas à voter, voter, voter très très fort, très très vite, très très dans le trou. Et pour l'instant, il vous reste combien? Si je sais combien il reste, mais de toute façon, le temps que vous avez. Non, je n'ai pas le temps de. Donc c'est pas grave, je finis pas mes phrases parce que vous avez. Voilà, très bien. Et c'est le Hulk qui gagne! Oui! Le Hulk! Incroyable. Bien sûr, je n'ai pas écrit dans le jeu. Deuxième prédit. Évidemment. Et je sais qu'il l'a déjà lancé. Nouvelle prédiction pour savoir si, oui ou non, le Hulk est accompagné de sa sœur. Qui sera la Hulk, du coup. C'est une fille, c'est tout. Exactement, c'est une fille sacrément musclée. Oh là 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 là, quand même. Et vous allez très rapidement faire la prédiction. N'hésitez pas à refresh comme d'habitude pour que vous puissiez la voir. Et c'est très 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 rapide. N'hésitez pas non plus à valider votre somme dans la prédiction. Nous avons 2300 contre 15 800. Le yes pour 15, le no à 85%. Vous n'êtes bien sûr. Eh bien, j'espère que. Voilà. Et c'est donc. Voilà. Mamie Oda qui a voté 2000 points sur le oui. Et 7500 points, Tom Pouce sur le non. Attention, Tom Pouce s'est exprimé sur le non. Aura-t-il raison? Aura-t-il tort, oui ou non? Et c'est parti, et c'est maintenant. Attention. Oh putain, j'ai eu peur. Et le Hulk est tout seul, et c'est tant mieux. Et comme ça, on n'en refera pas. La 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 la, la 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 la. La 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 C'est pas Hulk, c'est le Hulk, Marie. J'aime bien ton titre. Tu sais bien, c'est le prénom que veut donner Phoebe à son fils. Le Hulk. Putain, à peine sorti de la chmouchmout, il s'est chié dessus. Tu vas dodo, mon petit Martial, déjà. Mais j'ai mis tellement de temps. Des bisous, mon chaton. Et bon courage pour demain. Excusez-nous. Hé hey! Qu'est-ce que tu fais? Tu me pisses pas dessus? Quel nan noubou? Viens là, mon noubou à moi. Ah, ça pue. C'est mon noubou, celui-là.
Pas vous le cacher, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que ça fait 2h05 de rediff, encore. Donc une fois que le Hulk se sera calmé. Tandis que sa grande sœur n'a toujours pas grandi. Mais qu'est-ce qu'il a ? Mais change lui le cul en fait aussi, peut-être, non ? Bon, papa, on a rien à foutre, t'es en train de dormir. Ah, c'est bien, on va s'arrêter là, les enfants. Bien sûr, je remercie YouTube pour avoir enduré cette rediffusion complètement insupportable, comme d'habitude. En plus, vous aurez le entre le pipi et le caca, le ronron de Monsieur Jamie. C'est pas vrai. Et je vous fais des bisous YouTube, à la semaine prochaine pour la rediff et à tout le reste de la semaine à peu près sur, pas trop sur YouTube mais sur Twitch, oui. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on ne mange pas et vous êtes les bienvenus et c'est gratuit. Des bisous, à très bientôt YouTube, ciao.